Je voudrais lire une citation d'Audre Lorde, qui est une grande intellectuelle, poétesse, féministe, qui moi m'a beaucoup accompagnée et influencée en fait dans mes luttes, et dont ses écrits m'ont longuement habité. Et quelque part, les formes d'écriture comme la poésie, et aussi sont des formes de résistance. De lutte. Et donc je voulais commencer par cette citation parce que pour moi, cette citation aussi d'Audre Lorde résume quelque part aussi le combat que nous menons. Extérioriser la colère, la transformer en action au service de notre vision et de notre friture est un acte de clarification qui nous libère et qui nous donne la force. Car c'est par ce processus douloureux de mise en pratique que nous identifions qui sont les alliés avec lesquels nous devons sérieusement et avec lesquels nous avons de sérieuses divergences et qui sont nos véritables ennemis et qui sont aussi nos véritables alliés. Parce que l'union, la solidarité, c'est quelque chose pour Audre Lorde qui était très très important dans les luttes féministes. Dans le sens où, sans la solidarité, on ne peut pas avancer. Sans la solidarité au sein des mouvements féministes, sans la solidarité au sein des femmes, notre combat est vain. C'est-à-dire qu'il est important au sein de nos différentes organisations, nos différentes luttes, de prendre en compte cette thématique qui pour moi semble très importante et qui quelque part aussi va permettre aussi peut-être de faire évoluer en fait nos combats. Et pour moi, je pense que, comme Audre Lorde, je pense que effectivement cette notion de solidarité, on doit la questionner au sein de nos mouvements et de ceux dont nous entreposons aujourd'hui. Alors, qu'est-ce que nous défendons comme cinéma ? Et aussi qui, pour nous, était important d'expliquer aussi dans cette table ronde et de nous questionner, de faire prendre conscience à l'industrie du cinéma qu'il faut défendre aussi un certain type de cinéma intimiste, de proximité, un cinéma vérité qui est de plus en plus fragilisé et qui mérite d'être défendu et sauvé. Penser le cinéma comme un moyen de résistance et d'émancipation pour les femmes, pour nous en tout cas, c'est très important. Et malgré en fait que le cinéma que nous portons, malgré qu'il soit inaudible auprès des chaînes et des institutions, nous nous battons avant tout pour que notre cinéma aille à la rencontre d'une diversité et d'un public très très large. Parce qu'un cinéma qui trouve son public peut être sauvé et devient aussi indépendant économiquement. Pour nous, il est vraiment vraiment important de travailler cette problématique-là du public, parce que c'est là aussi se joue notre indépendance économique. Parce que pour moi, sans le public, notre cinéma, le cinéma n'existe pas.